Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'Upermage. J'avais envie de grind un petit peu avec vous, l'Upermage. Nous sommes actuellement, on va voir ça ensemble, top 21 Upermage. On est juste là, voilà, top 21 Tark Ethereum avec 3848 points de cote. Et j'ai pas encore rec de petits combats, donc on va se retrouver tout de suite pour le match. On va voir, on va faire un ou deux combats en fonction du temps des colis. Et je vous mettrai, hein, que je gagne ou que je perde comme d'habitude, mon petit match. On va essayer de grimper un petit peu, au moins de rentrer dans le top 20. Ça serait cool, voilà. Donc là, c'est mon objectif du moment, c'est essayer de passer vraiment juste légende. Ça serait grave cool de passer légende en Upermage parce qu'on n'a pas beaucoup. C'est très compliqué et ce serait mon objectif, voilà, de m'améliorer vraiment sur la classe Upermage parce que je fais quand même beaucoup d'erreurs. La classe est quand même technique pour la maîtriser parfaitement. Et du coup, j'ai envie de traverser ça un petit peu avec vous et on va se retrouver du coup tout de suite pour le petit combat. À de suite. Écoutez les gars, on est face à un sacri, et eh ben j'ai bien envie d'essayer le mode R. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais je tenterai bien. Voilà, j'ai bien envie d'essayer le mode R, ça fait très longtemps que je l'ai pas joué. Je me dis que ça peut être sympa, ça peut peut-être être sympa, lui piquer des stats R ou quoi, on va voir. En mode full DPS, on va peut-être enlever ça, mettre un émeraude. Ok, petite émeraude, on va garder le DDG, peut-être mettre un tacheté du coup pour les recrits. Et on va essayer, sincèrement, je sais pas ce que ça peut donner. Traitement runique également. Tac, tac, tac. On va voir, hein. On va voir. Ok. On est face à Glouto. Trompe la mort. Ouh là 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 là. Trompe la mort, ouais, ça va être compliqué, hein. Mais je me dis, pourquoi pas essayer le mode R, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Donc on va directement y aller, hein. On va directement y aller. On va faire ça à distance, ça au cac, une petite rafale, hein. Hop, une petite rafale, on met les belles et on agresse. Alors vraiment ici il est très très agressif, il a que 35% couronne d'épines, l'avantage voilà c'est qu'on n'est pas taclé, qu'on peut taper à distance. Bon, par contre lui il est feu et j'ai que 31%, donc ouais ça va être compliqué. Et il reste là pour le Sylvestre, écoutez, pas de soucis, pas de soucis, on a déjà pris super cher, hein. On a déjà pris super cher. On a une belle rafale là-bas. On a une très belle rafale là-bas. Je vais réduire ça. Je vais mettre là-bas. On va rafale. Et on va se soigner tout simplement, hein, je pense, hein. Alors on soigne un peu le temps de la couronne d'épines. Je vais prendre un tribut. Hop. Tribu R, on va faire ça et on va le tacler. Ok, il est pas taclé du tout. Donc on va se mettre là. Ok, il reprend les bennes. Aversion, il va juste m'arracher. Hein. Heureusement qu'il a un trompe la mort. Douleur cuisante, moins 400. Je vais essayer de vous mettre les animations de sort quand même pour le. Putain, il reste là, il bouge pas, c'est ouf. Hein. Ok. Ok, ok, bon. Tranquillement faire ça. Ok. Je vais faire ça. Je vais aller au cac. Je vais faire ça. Contrib. Et on va soigner, hein. Ok. Et on va proc l'émeraude. On va le taper comme ça. Et on va se mettre là-bas. Il veut profiter du Sylvestre, hein, le cher Glouto. Et il a bien raison en vrai, hein. Il a bien raison de profiter de son Sylvestre. Ah ouais, il tape son épée, il en a rien à faire. Hein. Et il a encore 7 PA. Ouais, malheureusement, avec mes 31 feux, on va pas aller bien loin. Hein. On va pas aller bien loin, les amis. Rituel de Jashin, ok. Ok, ok. On va juste faire ça. On va le sortir de là tout de suite. On va aller là-bas. On va l'agresser. Faut que je me soigne un peu, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Ok, 190, le trompe-la-mort qui commence à faire effet. La couronne d'épines, ouais, la couronne d'épines qui donne 720 shield.
De toute façon, les amis sacréeurs, c'est compliqué. J'ai essayé un mode R. Je me suis dit peut-être qu'il va jouer R, je sais pas. On pourra lui piquer un peu des stats, mais ça me paraît vraiment, vraiment chaud pour le coup. Ça me paraît vraiment chaud pour le coup, donc bon. Ouais, il retourne dans le Jashin, très bien. Faudrait que je prenne ma petite contrib. Parce qu'il a assez de son chill de façon en tous les cas, donc on va faire ça. Je vais faire ça. Petite contrib, on n'a pas trop le choix. On va se régène, hein. On va se régène sur l'épée un petit peu. Je pense qu'on est quasiment mort, mais bon. Ah, on est quasiment dead, les copains. Ok, 1600 PV. Là, il est en trompe la mort, donc là, il est en dessous du seuil. Il y a un monde où il nous tue, hein. Il y a un monde où il nous tue. Moi, jamais je le tue, en tous les cas. 483. Je survis jamais au prochain tour, hein. Je ne survis jamais à ce prochain tour. 400. Ouais, je suis... Abso. Ok. Faut tenter le kill. J'ai pas trop le choix de tenter le kill. Mais est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive? J'arrive jamais, hein, je pense. Hein. 1800. Je tente pas le kill, je suis mort, de toute façon. Je tente pas le kill, je suis mort, dans tous les cas. Donc, bonne chance. On va faire ça. Ça. Ah, il est tranquille, hein. Il est tranquille. Ouais, il est tranquille de fou. Je tente le kill, j'ai dit, hein. Ok, bon, bah, GG à lui. GG à lui, ce premier colis, malheureusement, ça ne passe pas contre Sacri. 6 minutes de combat, on peut relancer un deuxième match, les amis. A de suite, trop dur, Sacrieur. Et encore plus, là, j'ai commencé avec mes 31% feu. Mode R, pas folichon. Ok, les gars, on est face à un Nouji, hein, pour ce deuxième combat. Je sais pas trop le match-up, ce qu'il vaut, sincèrement. On va essayer de booster le gardien, on va jouer un mode feu cette fois-ci. Moi, j'ai un petit mode feu avec, avec courant pour essayer de retirer un peu des PA et un peu l'entraver. On va voir. Ok. C'est parti. Et on est face à Lenibar. Ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de pseudo. Yogel. Lenibar qui est R, j'ai 38% R. Attention. Attention. Oh, il a des res partout. Par contre, il a pas d'esquive. Donc, faudra abuser de ça. Et il est en 11 PA, c'est cool aussi. Ok, bon, là il a pas le temps, hein. Il a vraiment pas le temps. Ok, ouais, il nous rush à fond. Il met un roquet comme ça, il va me donner son roquet? Ah ouais? S'il me donne son roquet, je vais directement prendre... Après lui, il va m'éroder, c'est ça le problème. Ok. Ok. Bon, bah tu... On va tuer ça comme ça, je pense, hein. On va faire ça. On va juste le clean comme ça, je pense. On va pas s'embêter. Ah, on va faire ça, les copains. Je vais reculer là-bas pour l'instant. J'ai pas de maîtrise d'armes dans mon truc, c'est un peu dommage. Ok. Je fais ça pour pouvoir me barrer prochain tour. On va se barrer, je pense, prochain tour. Petit tour un peu spécial. Ouais, parce que là, il va pouvoir me proie. Il peut me charogne d'ici. Je crois que c'est 4 charognes. Hein. Il a juste chargé les carcasses, ok. Il va juste charger les carcasses. Ah ouais, d'accord, convergence. Bah, pourquoi tu... Ah, dans l'autre sens, mon ami. L'érosion dans l'autre sens, mon ami. Que fais-tu? Est-ce qu'on se barre vraiment? Est-ce que c'est un réel intérêt de se barrer? Moi, je pense pas. On va juste faire ça, du coup. Moins 1, un peu dommage. Pas beaucoup de réussite. Du coup, on va faire ça. Ça. Ok, moins 2. Je vais rester là, hein. Ok. On va taper comme ça et on va se planquer.
Bon, il a appris tech prochain tour, c'est un peu relou. Là, il va nous éroder, ça va être chiant. On a proc Sylvestre, on a proc l'Emeraude. On a quand même pas mal de shield. Faut qu'on arrive à l'entraver, il a que 9 PA, mine de rien. Donc, faut qu'il érode, faut qu'il charge des carcasses, faudra qu'il se soigne. Il, aura... il pourra pas tout faire en vrai. J'ai combien de ret? 70, ok, ouais, bon, en vrai, il a 34. Carcasses. Elles vont piquer ces carcasses, hein, je pense. Hein. Elles vont bien piquer. Hein. Dépouille. Ah ouais, dépouille. On en est là. Monsieur nous dépouille. Très bien. Petit courant. Ok, moins 2, c'est nice. On va faire ça. Hop, petit volcan. Moins 1, ok. On va faire ça. On va faire ça. Et ça. Ok. Est-ce qu'on reste là? On peut rester là, hein. On peut rester là. On lui met les bennes. 4100. Il se retrouve en 9 PA. C'est ok, c'est ok. Ça va être vraiment du gameplay. On va rester posé là et on va faire que ça. Hein. On va rester au cac de Luginac. Hein. On va rester au cac de Lugin. On va se maxer en shield. Parce que s'il m'érode pas, parce qu'il faut qu'il m'érode là. Faut qu'il remette double charogne. Puis il y a mon gardien aussi qui peut le menacer. Ok, pelage. Carcasse, pourquoi il érode pas, je comprends pas. Canino, c'est érode là. Hein. Ah ouais, d'accord. Waouh, ok. Ok, ok, ok. On va commencer par courant. Moins 2. Je vais faire ça. Je peux juste libérer tout simplement. Hein. Ok. On va debuff. Et très ardent. Ok. Et il a pris moins 1. Et on reste là pour le Sylvestre. Hein. Faudrait qu'on boute notre gardien aussi. Quand on a le temps. Là, il a que 8 PA là. Hein. Il a que 8 PA. Hein. Ok. Lénibar. Est-ce qu'il va réinvoquer son roquet? Il faut qu'il m'érode le monsieur. Hein. Le monsieur, il a pas envie de m'éroder. Il a un sort qui s'appelle Charon, il le fait pas. Je sais pas pourquoi il le fait pas. Ah bah voilà, quand même. Je sais que c'est que 10%, mais il faut éroder, monsieur. Il faut. Waouh, waouh, qu'est-ce qu'il fait ? 5 PA. Waouh, Charon dépouille. Très bien. Très bien, très bien. Bah écoutez, on va lui mettre un ébène. Hein. On va lui mettre un ébène, on va faire ça. Ça. J'ai envie de le vulner. On va juste faire ça tranquille, c'est pas grave. On va faire ça. Et ça. Voilà. Oh, il prend moins 4, c'est pas mal du tout. Hein. Il prend moins 4, il reprend l'ébène. Il lui reste que 8 PA. 2100 PV. On arrive à le tenir, c'est cool. On arrive à le tenir. Ok, charogne. Eh ouais, charogne est 480 les charognes, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Oh, mon gardien, il est pas folichon là. Hein. Il est dans le coin, il est pas au top de sa forme. Je peux me la jouer à distance aussi. Hein. S'il a pas envie de venir, bah après là en vrai, on est tellement bien. On est tellement bien, on lui a mis un ébène et tout, on va juste. Ouais, ok, hein. Pas de problème, je pense qu'on va jouer à distance. On va clairement jouer à distance. Ivoire quand? Ivoire 2. On va faire ça. 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 Ok. Hop. On va faire ça. Je l'ai vulné à la fin, hein, je sais, c'est pas très opti, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et on recule. Ça pousse le gardien, on se met là, il reprend l'ébène. Parce qu'il est pas en grande forme là, faut qu'il soigne, il a 9 PA. Il va mettre son roquet, ok. Après, on a traversé aussi. Hein. Faut qu'il reprenne sa rage. Ah, pour le coup, on est bien dans la game, là. Apaisement. Il va rester là. Moi, j'y vais, mon pote, hein, s'il reste là. Hein. Le fait de retirer des PA, quand même, ça entrave vraiment le jeu de Luginac, parce que Lugi, il a besoin. Ah ouais, non, il abuse. Il abuse de fou.
Ok, on va faire ça. Moins 2. On va faire ça. Ah, il est vraiment dans la but pour le coup. Il est vraiment dans la but. On va faire ça. Petit cycle. Et on fait ça. Ok. Ah, il prend le moins 4. Hein. Il prend son moins 4. Ça fait très mal, le petit moins 4. Et ouais, non, ça entrave parce que Lugis, ça doit éroder. Ça doit faire mettre ses pelages. Faut charger les carcasses, etc. Donc ouais, ça entrave beaucoup ce qu'on fait là. Et là, prochain tour, il est mort, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Je vois pas ce qu'il peut faire. Il y a le pelage, on va juste lui enlever avec une libée. Et encore, on n'est même pas forcément obligé, on peut juste taper en brut, je pense. Voir où il se met, mais peu importe où il est, où il va, on pourra lui... On n'a pas la peau là, hein. Ouais, voilà. On va juste libérer les copains, tout simplement. Libé, on débuff et c'est fini. Ouais, c'est libé, débuff, fini. Ok, libé. On va débuff. Tout le shield. Et c'est terminé. Ok. Ok, bon, une victoire, une défaite. On va faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude. On va essayer au moins d'être en positif. Sur cette vidéo les amis, on se retrouve pour un troisième combat. Ok les gars, on est face à un SRAM sur grande map. SRAM grande map. Ok. Bah on va jouer de la AP hein. On va jouer de la AP. Je sais même pas si je vous ai présenté mon hyper AP sur YouTube. Je sais pas. Écoutez, on va voir. Hein. On va voir. Hop, c'est parti. Et on est face à Jokes. Oula, il a pas de res. Faudra faire attention. UGL. Bon, il a pas de res le copain. Waouh. Ok. Est-ce que j'ai de la PO? Ouais, on peut aller le choper. Hein. On peut aller le choper. Est-ce qu'on met le gardien maintenant? Non, je pense pas. Hein. Je pense qu'on va juste taper. Hein. On va juste taper en brut. Hop. Tac. J'ai pas trop envie de m'avancer. Hein. Quoique, on peut faire ça. Hein. On peut faire ça. Et on va le reculer même. Voilà. C'est pas trop mal. Il est obligé d'un vie. On met déjà une belle pression. Ne pas se faire one shot. Ça va être le but, les copains. Ne pas se faire one shot. Et essayer de le debuff, surtout. Donc, on va empreinte. On va envoyer le double. Empreinte. Ok, il est là. Il est là, on va tranquillement envoyer notre petit double. Ivoire quand ? Il a l'ivoire, ok. Donc on va faire ça. Tac. Tac. Et tac. Ouais, j'ai failli faire une grosse erreur là. J'ai failli oublier de debuff. Ok. On va se décaler. Ok, il est de retour. Il a juste tué mon gardien. Les gars, faut juste pas qu'on se prenne le réseau. On se prend le réseau, c'est terminé. Hein. On se prend le réseau, c'est fini. Faut pas se le prendre. Faut taper à distance, le reculer. Ça va aller très très vite hein, comme match, là, je pense. Le combat va être très rapide. Ok, piège répupiège sur noix. J'ai pas grand chose à faire pour l'instant. Hein. J'ai pas grand chose à faire, mis à part tapoter sur le côté, quoi. Mis à part tapoter sur le côté, j'ai pas grand chose, hein. On a pile la PO pour ça. On va faire ça. On va taper à distance, hein. On n'a pas 50 solutions, de toute façon. Hop, on va faire ça. Mettre des petits pièges LM, ça peut être intéressant. Ok. Non. Ok, baguette pendable, j'allais dire, il peut me choper là. Non. En vrai, il se passe bien, hein, il m'embête. Hein. Il m'embête. On va avancer comme ça. On va le vulner. Je vais faire ça juste après. On va orage. Hop. On va juste faire ça et ça.
On se barre les copains. Ok, pour l'instant il m'a pas touché. Est-ce que ça va être le colis où il nous touche pas? Oh, il est en train d'arracher son double par contre. Hein. Il est en train d'arracher son double. Hein. Ok, piège de dérive. Il veut avancer un peu, ça se voit. Ça se voit qu'il a envie de... Ok, il s'est vu venir tout seul. En vrai, j'ai envie de tenter le kill. Hein. Je jure, j'ai envie de tenter le kill. Il s'est vu venir tout seul. Oh les gars, on y va. Hein. On y va. Hein. On va juste faire ça. Ça. Incroyable. Petit zon. Petit torrent. Ok. Incroyable. Petit mode AP contre ce SRAM. Mais écoutez, on aura fait 3 combats. 2 victoires, 1 défaite. J'espère du coup que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. On a fait 2 victoires du coup, 1 petite défaite. Je vous ai mis les stuffs en description comme d'habitude. Des fois je vous les présente en vidéo. Des fois je vous les mets en description parce qu'il y a mes deux Facebook qui sont en description. N'hésitez pas à aller checker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao les gars. Welcome to the party. Sex. I got the X, the shrooms, the acid. Just so you can see I'm a savage. I'm trying this at home, I'm a savage. Baby, welcome to the party. She pulled up in the Benz, she came with a friend. I told her meet my nigga Bari. Gang. I'm a villain, I'm feeling like Carti.